C'est forcément le couteau. Il est dans le coffre d'une banque. Il va me falloir cette deuxième clé. Ces gens sont des malades.
Personne ne me dit non. Pas si on veut être payé, en tout cas. Son lit, on se couche. Comme si je faisais moi-même mon lit. Pour une fois, j'aimerais que ce soit elle qui fait sa tournée. Une seule fois, ça serait vraiment trop demandé. Je suis épuisée avec tous ces gars-là, les uns à la suite des autres. Je lui ai dit je ne sais combien de fois, c'est pas à moi de respecter les broyeurs. Des fois, je crois qu'elle fait exprès d'être sourde. Je lui ai demandé où elle avait fait faire sa veste brodée d'argent. Ses bottes sont pas en bonne pointure. Je me demande. Faut une nouvelle paire. Quoi ? Vous n'avez pas le droit d'être assis ici ! Dans les escaliers ! Tenez ! Inutile de croire qu'il est plus malade. Je me rapproche d'elle. De garder toute la vermine à l'écart. Écartez-vous. Vous n'irez nulle part. Ne la laissez pas. Qu'est-ce que c'était? Elle est toujours en vie. Je ne supporte même pas de les entendre parler. Cette classe populaire est vraiment en dessous de tout. Et je ne parle même pas de l'odeur. Droit à des pauses plus longues avec mes pieds. Je devrais pouvoir me plaindre à quelqu'un. Mais quelle idée! Des troubles? Dans ce quartier? Franchement, est-ce si difficile de garder toute la vermine à l'écart? Qu'est-ce qui se passe? Et comment? Je peux vous aider? Ouais. Je viens boire. Le Spectre est un club privé. Vous êtes membre? Là. Vous voyez? Ah. Et Olina se relâche en ce moment. Bref, vous pouvez entrer. Hein? J'ai cru entendre quelque chose.
quelqu'un ? Quelque chose à Vu voir. Que c'est ta première fois au spectre, tu devrais essayer l'infusion sanguine. C'est la spécialité de la maison. Je suis partant. Et c'est quoi? Du whisky? Une sorte de potion? C'est comme la peste? Je vais avoir du mal à ingérer une boisson concoctée à base de rats d'égout. Ce sont des rats géants de Pandicia, un culte. Mais non. L'infusion est un élixir écarlate qui repousse le voile du mystère et permet de communier directement avec le grand vide. C'est distillé à partir du sang d'un mourant. Vraiment? Et voilà qui n'est pas banal. Je t'assure qu'après avoir essayé, plus jamais tu ne te satisferas de simples alcools. Il me semblait que j'avais pris mon talisman. Enfin, l'infusion coule à flot. Tu as à peine mélangé les cartes. Je n'ai rien. Quelle bluffeuse. Oh, tu peux lire dans mes pensées. Et si c'était le cas, tu sais ce qu'on a fait au Conservatoire Royal. C'est vraiment dommage que l'oraculum ait été détruit. Une si belle invention. Oui, je m'en souviens. Mais ça marchait vraiment. J'ai du mal à imaginer que l'ordre oraculaire ait pu se faire manipuler aussi facilement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un outil puissant, capable de canaliser les esprits des vivants dans les corps des défunts. Nous pouvions entendre leurs pensées, observer leurs rêves, et même les faire parler. J'ai essayé de prévoir la météo grâce aux entrailles de grenouille, mais je n'y suis pas vraiment arrivée. On s'entraînera ensemble, si tu me laisses gagner ce tour. Faudrait.
fit une heure de silence pour communier avec le grand. Exsanguination numéro 33. J'ai lancé la pompe sanguine. Elle va siphonner votre sang, goutte à goutte, jusqu'à votre mort. Non, ne regardez pas la porte. Personne ne viendra. Le spectre est vide. Il n'y a que nous, en route vers le grand vide. Mais pas ensemble. Vous allez partir, et je vous rejoindrai plus tard. Je conserverai un de vos derniers flacons de sang pour une transfusion personnelle. Un cadeau spécial. J'ai hâte de partir. Pardon ? Oh, vous bredouillez. Rien à craindre. C'est normal quand on meurt. Votre esprit régurgite les détritus de vos projets ratés pour se concentrer sur des mystères plus profonds. Ah, oh, vous pâlissez. Les tremblements de la vie qui s'échappent. Qu'est-ce que ça fait de mourir ? Dites-moi ce que vous voyez. L'outsider est-il là ? Que vous dit-il ? Parlez ! Épargnez Teresia ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un présage du futur ? Que voyez-vous ? Répondez ! Non, non, ne mourrez pas maintenant ! Dites-moi ! Que voyez-vous ? Ah ! Tivia, changer d'identité, profiter de concertos et de caviar. Et je ressentirai toujours les hérétiques. Plus d'infusion sanguine. L'autre nuit, j'ai presque vu son visage. Je pourrais peut-être lui parler, lui dire que je suis désolé. Maintenant, ils sauront à quoi ça ressemble. Thank you.
Chanyeon dit que l'accès se fait uniquement sur invitation aujourd'hui. C'est une fête privée. J'ai cru entendre quelque chose. Y a quelqu'un ? Et là. Vous avez quoi ? On nettoie les pompes ce soir, donc pas de bière. On a du whisky, du rhum et de la peste. Ou du soda, si vous voulez pas d'alcool. Vous avez une spécialité ici ? Peut-être avez-vous entendu parler de l'infusion sanguine. Mais le salon à l'étage est complet jusqu'au mois prochain. Il faudra revenir une autre fois pour essayer. Un soda. Il me faut les idées claires. Inutile de rester sur vos gardes ici. On est au spectre, pas dans les ruelles malfamées de Karnaca. Se met en place. La crème de la racaille urbaine nous rejoindra bientôt, tandis que j'avance vers un mystère plus profond. Faut suer sans réo. Même pour tout l'or du monde, ce travail n'en vaudrait pas la peine. J'ai bien envie d'organiser un pique-nique dans le jardin. D'accord. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? L'incantation fonctionnera peut-être avec un peu de boue venant de la rue.